Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue dans la promotion de l'épisode de Robocraft, chers amis. Et donc, avant de partir, je vais préciser un petit truc, parce que là, vient de se passer un truc en fait, IRL. C'est-à-dire que l'un d'entre vous est venu me parler sur Steam, donc comme beaucoup d'entre vous le font. Donc, de là, moi, ça ne me pose pas de problème en soi. Au contraire. Seulement. Comprenez bien, chers amis, que vu le nombre de personnes qu'il y a sur Steam, si vous vous mettez tous à me parler pour me dire rien du tout au final, parce que c'est des choses entre parenthèses, des suites de lettres entre parenthèses qui sont à mon avis censées vouloir dire des choses que je ne comprends pas, ou encore juste pour me mettre des icônes ou des machins, des trucs, des bidules, ou des smileys, je sais pas. Comprenez bien que moi c'est pas productif, par contre ce que ça fait, c'est que ça fait pop une notification. Donc que ce soit une notification dans Steam, ou une notification, vous savez, la petite image qui clignote de l'application, enfin du logiciel que vous avez lancé. C'est gênant. Comprenez bien que c'est gênant. Alors, la première fois ça me dérange pas, la deuxième fois ça me dérange pas. Par contre, si vous insistez, et que vous vous énervez, forcément moi je vais m'énerver aussi. Voilà, alors je précise ça, c'est sans doute pour 1% de ceux qui me regardent. J'accepte tout le monde en ami, y a pas de problème de ce côté-là. Vous êtes des gens que je ne connais pas, hein, ni Dave ni Adam, comme on dit. Donc, encore une fois, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. Je sais que si vous m'ajoutez, principalement, c'est parce que vous me suivez sur YouTube. Donc, dans ce cas-là, je vous remercie encore une fois beaucoup pour tout ce que vous faites pour moi et tout ce que vous faites pour la chaîne en soi. Hein. Mais, comprenez bien que oui, alors, cette personne s'est plainte du fait que je tourne tout le temps et que je ne joue jamais, soi-disant, avec vous. Effectivement, j'avoue que je fais très peu de live. Et bon, justement, je suis en train en ce moment de modifier l'emploi du temps pour faire en sorte de pouvoir en faire plus. Donc, excusez-moi de vouloir faire des efforts, pour ceux qui se sentent indignés que je ne joue pas trop avec vous. Donc voilà, je tourne beaucoup, je tourne au moins 3 vidéos par jour. En ce moment, j'essaie même d'essayer d'avoir un week-end potable sans tournage, donc le samedi et le dimanche. Donc du coup, je tourne forcément un petit peu plus. Mais ça n'a rien, ça n'est en aucun cas contre vous. Et que vous vous énerviez contre moi en me disant que je me la pète, que je fais ça pour le fric. Alors, je vais mettre un terme tout de suite à ce que les gens disent que je dis que je fasse ça pour le fric. Actuellement, YouTube ne me rapporte qu'environ 30-35 euros par mois. 35 euros. Je pense que on peut pas dire que je fais ça pour l'argent, vu le peu que je gagne, entre guillemets. Et encore, l'argent que j'ai gagné l'année dernière, vous savez dans quoi je l'ai remis, chers amis. Vous savez que j'ai payé le serveur pour vous. Le serveur Starbound. Donc on me dit, moi franchement, je me sens insulté qu'on me dise que je fasse ça pour l'argent. Donc écoutez, moi c'est clair, à partir de maintenant, je sais comment s'appelle la personne, j'ai son adresse IP, j'ai tout ce qu'il faut. Donc maintenant, s'il y a le moindre, entre guillemets, retour de cette personne, je ne sais même pas son âge, mais à mon avis, elle était assez jeune. Hein. S'il y a le moindre retour négatif de la part de cette personne... Écoutez, bah, je vais commencer prendre des décisions qui seront violentes. Donc ce sera ban d'une personne de tous ses commentaires sur la chaîne. Ce sera pareil sur le groupe Steam et ce sera pareil dans mes amis. Donc voilà, la parenthèse est terminée, chers amis. Maintenant, on va reprendre l'épisode là où on en était. Je comprends pas qu'on puisse me gueuler dessus et qu'on puisse... Enfin, moi, je me sens franchement insulté. Hein, qu'on puisse me dire que je fais ça pour l'argent, quoi. C'est... Oh là là, ça me sort pas les trous de nez. On va partir en Team Deathmatch. Sachant qu'en plus, quand je dis que je ne fais pas de tournage le week-end, rendez-vous compte que le samedi après-midi et le dimanche après-midi, enfin, le vendredi soir potentiellement et le dimanche soir, le samedi soir, je serai en live sur Twitch. Et normalement, il y a des chances aussi, si je ne fais rien le samedi après-midi, que je sois en live sur YouTube. Et pareil pour le dimanche après-midi. Donc, je me sens un petit peu... Ça me fait mal, hein. Franchement, ça fait du mal. Hein. Depuis le temps que je fais ça et que... Enfin, franchement, je me sens insulté. Je vous le dis. Bon, maintenant j'espère que le problème sera réglé, j'espère que vous serez de mon côté et pas forcément, enfin, si vous êtes contre moi, vous pouvez m'expliquer gentiment, correctement pourquoi, mais j'aimerais savoir. Enfin bon. Ok, c'est parti. Alors. Ok. Enemies spotted.
Ok. Bon cher. On a pris cher, excusez-moi. Voilà. Hop. Excuse-moi mon pote, hein, mais... Malheureusement, je fais ce que je peux. Vas-y. C'est parfait, merci. Oh, raté. Ok. Ok. Touché. Explosé. Même pas? Si, c'est bon. Apparemment, c'est mon pote qui l'a eu. C'est pas grave en soi. Hein. Par contre, j'aimerais bien me régénérer un petit coup. Je sais pas ce qui me tire dessus tout le temps là, mais c'est saoulant. Ok. Quoi? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qui me touche? Est-ce que c'est encore possible d'être derrière la map comme ils disent? C'est très triste. Ok, on prend cher. Non, ça c'est moi, merde, je suis con. Ok, on prend extrêmement cher. Oh putain, je le rate! Bien joué. Bien joué, bien joué. Donc c'est une défaite, hein, chers amis. Hein. Ok, back to Mothership. On va repartir avec un autre. Hein. On va réessayer ça, chers amis. Hop! Ouais, franchement, c'est blessant. Hein. Je suis désolé d'en revenir dessus, mais bon. C'est vraiment blessant. Bon, on y retourne, allez, 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 faut que je me change les idées. Sur Robocraft, c'est génial. Freedom, freedom, freedom. Ok, c'est reparti. Il est sympa son vaisseau, lui. Je vois pas ce que c'est comme type. Vas-y, avance. Allez. Qu'est-ce qu'il fait comme dégâts? Ah d'accord, il a une... Ok, pourquoi pas. C'est pas la meilleure des idées qu'ils aient eu ça. Hein. Partir par là, mais enfin bon. Ok. Ils sont pas contents. Joli. Ok, j'ai raté. Je voulais rentrer dedans. Surprise! La vache! Et c'est qui me font des dégâts? Ah! Aidez-moi! Aidez-moi! Ah! Je vois plus dans le jeu que le jeu lui-même! Aïe, ça va me tuer, oui. J'aurais dû m'en douter. Bon, c'est pas grave, deuxième défaite. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon. C'est pas mon jour, hein, comme on dit.
C'est pas ma journée. Ok. Hop. Team Deathmatch, on y retourne. On va réussir une partie avec ce vaisseau, merde. Hop. Allez. Est-ce qu'on peut repartir, s'il vous plaît? Merci. Alors. Allons-y. Ok. Pussy Destroyer, d'accord, ok. Ça met dans l'ambiance. S'il nous fallait Pussy Destroyer dans l'équipe pour pouvoir gagner. C'est pas grave. Je considère avoir fait mon boulot. Aïe. Hey. Ça fait mal. Ok. T'inquiète pas, je suis là en renfort si besoin est. À mon avis, besoin il va y avoir. Quoi? What? Ok, mon jeu crash en plus. Journée, chers amis, ce n'est pas ma journée du tout. C'est génial. Bon. Je fais une petite ellipse et on se retrouve dans une partie. Ça va être plus rapide. Wouh! Voilà, re, chers amis. Bon, c'est pas vraiment pas la journée. Entre l'épisode de Dragon's Dogma, qui me donne envie de quitter la série, de mettre fin à la série, le monsieur qui m'embête, enfin, l'énergumène qui m'embête, entre autres choses. Honnêtement, je suis bien en forme aujourd'hui, on va dire. Touché. Ok. Touché. Ok. Oh. What? Depuis quand ils prennent des angles pareils? Ah si ça touche. Ah ça touche. Du bol. Merde, c'est le nôtre ça. Il compte passer devant moi celui-là. Quoi? Putain, c'est pas lui. Ok. Un petit peu de régène, ça va me faire du bien par où ça passe. Enfin, du bien, tout est relatif, hein, vu ce que ça vient de nous faire. Ok, alors, on va essayer de les prendre à revers, c'est pas grave. Ok. C'est bon. Ok. Ok. Ok, victoire. Pas encore ?
Ok. Ok, c'est bon. Donc une victoire, chers amis. Bon bah ça y est, on l'a eu. Wouhou ! On aurait du mal à obtenir, hein. Génial. Ça me fout les boules d'entendre le son maintenant tout le temps en répétitif parce que j'ai peur que ça replante comme tout à l'heure. Mais non, c'est bon. Ouh. Cool, 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 cool. Cool, cool, cool. Hop. 135 000, c'est tout ? Ah non, 1 million et quelques. D'accord, ok. Je comprends mieux. est-ce qu'on se tente un petit coup de l'abeille ? Alors, je voulais juste tenter un truc au niveau de l'abeille. Je sais pas si ça marcherait. Est-ce que je pourrais la placer là, tout hasard ? Non, pas du tout. D'accord. Merde, elle est pas au bon endroit. Ok. C'est bon. Par contre, elles sont pas jaunes. J'aurais peut-être dû les mettre jaunes. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Hop. On repart avec elle. On va bien voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il faudrait mieux que ce soit en dessous. Hein. Je dis ça, mais... on verra bien. Mayal Grodar, c'est parti. Alors, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Hop là. Elle est toujours aussi vive à sauter en début. Alors. Hop. Enemy spotted. Enemy spotted. En douceur, hein. Ah, ça m'énerve, j'ai des coups de téléphone aussi. Tous les jours. Ok. C'est pas le bon endroit. Oula, j'aurais peut-être dû voler un peu plus haut. Dommage. Ok. Essayons de nous approcher doucement de nos ennemis. Hein. Toujours doucement, chers amis. Hein. En douceur. Ok, pas d'ennemis volants devant nous. Hop. Ok, et de 1. Ça c'est bon. Ok. Voilà. Un petit coup de régène, c'est pas un problème. Ah donc il peut le faire. Ok. Oh, bien joué. Bien joué, bien joué. Je l'ai pas vu venir celui-là.
Même si j'aime pas ces robots-là, je dis bien joué. Bon. Bah, de toute façon, faut pas espérer trop, je pense, de cette journée, hein, en règle générale. Oh là là. Bon, bah écoutez, les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Écoutez, hein. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, comme d'habitude. Donc, directement en cliquant dans la barre de la chaîne ou encore simplement vous abonner à ma chaîne Twitch pour les différents lives que je ferai à l'avenir. Donc, voilà, les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop. Yop.